Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer si vous voulez bien. Alors d'abord, je vais bien sûr dire bonjour à tout le monde. Donc Elsa est avec nous, Upasana est là aussi, Alama est là, Yossi est avec nous, Cosmina Bellou est là, Bicurt, Tanaz, Victoria Posse, Yesero est ici aussi. Ensuite, I Just Called est avec nous, Victoria Jacques aussi, Surftoum est là, Roman est avec nous, bonjour, Sundar est là, Sapna est là aussi, et Takwa est avec nous. Ouais, écoutez, j'espère que vous allez très très bien. C'est lundi. Nous allons voir si les gens seront courageux et voudront faire des exercices. On va commencer, si vous voulez bien, avec, bah, comme d'habitude, la première rubrique. Et on y va. Et la première rubrique, c'est la question du jour. Et la question du jour, aujourd'hui, en fait, c'est plutôt l'idée de continuer le début de cette phrase. C'est difficile de passer un jour sans. Essayez de me dire qu'est-ce qui est vital ou très important pour vous. Et vous envisagez difficilement de passer une journée sans faire cette chose ou sans avoir cette chose. Allez-y. Alors, c'est Sundar qui commence, qui n'écrit pas de phrase, Sundar. Alors, c'est difficile de passer une journée ou un jour sans Internet. Sapna nous dit, c'est difficile sans nourriture. Alama qui nous dit, c'est difficile sans suivre l'acheminement de mes colis. Ah ouais, moi, les colis, ils n'arrivent plus en ce moment. Je ne sais pas, ça fait quelque temps. J'ai complètement laisser tomber les colis, ils n'arrivent plus du tout. Elsa qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans prendre une douche. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eau. Ben oui, déjà boire, hein, il faut boire de l'eau et puis il faut aussi se doucher. Yesero qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans pratiquer le français avec Vincent. Oh, il est gentil, Yesero, merci beaucoup. Sanae qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans mon portable. Cosmina Bellou nous dit, c'est difficile de passer un jour sans apprendre ou faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vrai. On a toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça nous donne une bonne raison d'aller se coucher après. Bicurt, sans Internet et votre leçon, c'est difficile. Oh, c'est gentil, Bicurt. Sundar, ah d'accord, Sundar qui discute avec quelqu'un d'autre. Daria qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans un sourire. Ben c'est vrai que c'est difficile. Victoria qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans faire de la marche. Donc vous aimez bien marcher, il faut mettre le masque, Victoria Posse, quand vous allez à l'extérieur, hein. Surtout en ce moment, hein, je crois qu'à Madrid, ça remonte, attention. Victoria Jacques, il est difficile de passer un jour sans manger. J'aime la nourriture. Ah bah tout le monde aime la nourriture, c'est tellement bon. Thanase qui nous dit, c'est difficile de passer un jour sans planification. Sidiali qui nous dit c'est difficile de passer un jour sans boire quelque chose. Très bien. Faites attention, Sidiali, chose, on écrit C-H-O-S-E.
O-S-E, d'accord? Yossi qui nous dit, je n'imagine pas un jour sans Internet. Nous sommes tous connectés à tout le monde via Internet, c'est vrai. Ice Cube, c'est difficile de passer un jour sans prendre un café le matin. Oh oui, oh oui! Et sans faire le petit déjeuner. Non, ça c'est pas grave. Sans apprendre quelque chose de nouveau et sans sourire. Oh, Ice Cube, elle a repris toutes les choses. Maria qui nous rejoint, Maria Bethania. T'as quoi qui nous dit c'est difficile de passer un jour sans regarder la télé parce qu'il y a beaucoup de nouvelles et des informations. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Nous allons continuer avec la rubrique suivante. Alors, je ne sais plus si je l'avais promis à... Est-ce que c'était Sapna qui avait demandé hier, qui, en tout cas, quelqu'un avait demandé si c'était possible de faire l'exercice avec les nombres. Et j'avais promis que nous ferions un exercice avec les nombres aujourd'hui. Donc, on va commencer avec l'exercice. Comme d'habitude, on va en voir quatre. Je vais les lire deux fois et vous écrivez les nombres que vous entendez. Allez, on commence avec le premier. 935. 935. Alors, jusqu'à maintenant, tout est bien. I just called un petit peu trop généreux, puisque c'était 945 que vous avez noté, mais j'avais dit 935. Donc, I just called a retiré son message. Alors, 935, 9, 3, 5. D'accord, Mouaz nous rejoint. Bonjour, Mouaz. Participez au cours. Allez, on va attaquer avec le deuxième. Même chose, je vais juste le lire deux fois. 8571. 8571. Allez-y. Alors, c'est I Just Called qui est en première position. Un petit peu généreux, ce n'était pas 9000, mais c'était 8000. Le reste, c'est parfait. Elsa, oui. Ice Cubes, oui. Yossi, attention, c'était 71 et pas 78. Je regarde les autres. Cosmina, oui. Bicot, oui. Johnny, oui. Victoria, oui. Tanaz, oui. Ritem, oui. Maria Betania, attention, 8500. Hein, vous avez écrit 8600. Yesero, oui. Sapna, oui. Daria, oui. Sidali, pardon, Sidiali, oui. Sundar, oui. Rosellana, oui. Yossi, qui a corrigé. Ou alors non, c'est non, oui, vous avez corrigé, très bien. T'as quoi? Oui, 8500. Attention, non, non, 71. 71. Et Rosellana qui nous dit qu'elle a copié des autres. C'est bien, Rosellana. Merci. Alors, et t'as quoi qui a corrigé? Très bien. On continue avec la suivante, si vous voulez bien, ou le nombre suivant. Attention. 89 603. 89 603. Oui.
Alors, c'est Elsa qui est en première position et qui a parfaitement écrit 89 603. Je regarde les autres. Hakima Sari, attention, c'était 89 000. Vous avez oublié le 8 tout au début. Les autres, Maria Bethania, attention, regardez. Petite erreur. Sapna, attention, petite erreur. Les autres, Yesero, attention. Vous avez oublié le 9. Hein, 89 000. Ensuite, non, c'était bon, Victoria Posse. Qui dit, je ne sais pas. C'est pas grave. Les autres, c'était bien. Ouais, c'était bien. Allez, on va faire le dernier, si vous voulez bien. Et donc, bien sûr, le dernier, il est plus grand que le précédent. 872 945. 872 945. Allez-y. Alors, Elsa, elle est en forme, hein? Elle est en forme, regardez, et en plus c'est parfait. Ice Cube juste après, c'est magnifique. Victoria Jacques, c'est très bien aussi. Johnny, oui. Cosmina Bellou, oui. Eric Flies, oui. Alors, Mintoon, oui aussi. Yossi, pas de problème. Alama, c'est parfait. Sapna, oui. Thanase, oh, vous avez effacé? J'imagine qu'il y avait une petite erreur. I just called 872. Donc c'était 872. Vous avez juste fait une petite erreur pour le 7. Vous avez mis 6. Victoria Posse, oui. Daria, oui. Maria Bethania, oui. Non, Maria Bethania, attention, c'était 900. 45. Sanae, oui. Bickert, c'est parfait. Taqua, c'est très bien. Romand, c'est très bien aussi. 872, oui. Futur Reino, oui, parfait. Yesero, attention, Yesero, petite erreur. Ah, vous l'avez. Ah, d'accord. Ouais, il n'y a pas de virgule, hein, mais c'est bien. Et Sundar, c'était parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. On va continuer. Et comme chaque jour, nous avons la douceur du jour. Et la douceur du jour aujourd'hui, eh bien, regardez ça. Oh, c'était pendant plusieurs années ma pâtisserie préférée quand j'étais enfant. Une tête au chocolat. Regardez, c'est magnifique. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire la description. Trois éléments pour vous présenter la tête au chocolat. Et vous écrivez les mots qui manquent. Une tête au chocolat est une pâtisserie constituée de deux meringues entre lesquelles repose de la crème au beurre. Une tête au chocolat est une pâtisserie constituée de deux meringues entre lesquelles repose de la crème au beurre. Thank you.
Alors, regardons ensemble les trois éléments que nous devions trouver. Donc la première chose, c'était constituer. Ici, constituer doit être au féminin puisque c'est lié à pâtisserie. Pâtisserie est en féminin, constituer, accent aigu, à la fin. Ensuite, l'autre chose, c'est lesquels. Ça fait référence à meringue. Même chose, meringue, c'est féminin pluriel. Donc, on doit bien mettre le féminin pluriel, LESQUELLLES. Et puis, la dernière chose, c'était un substantif et c'est la crème. Alors je regarde la crème en général, bon, il n'y a pas de problème. Donc c'était assez bien fait. Faites attention aux lesquels. Alors lesquels, effectivement, c'est difficile parce qu'on prononce de la même façon le masculin et le féminin. Donc il fallait savoir que meringue, c'était féminin. Regardons ensuite la deuxième chose. Cette pâtisserie ancienne, typique, est aussi nommée merveilleux, boule choco, arlequin ou d'autres noms selon les régions. Cette pâtisserie ancienne, typique, est aussi nommée merveilleux, boule choco, arlequin ou d'autres noms selon les régions. Alors, regardons ici. Nous avions finalement trois éléments comme d'habitude. Alors, je ne sais pas. Quelqu'un avait posé une question. Futur Renault demande ou Renault? Est-ce que c'est entre lesquels ou parmi lesquels? Faites attention, futur Renault. Quand vous avez deux éléments, c'est entre. Si vous avez plus de deux éléments, ça va être parmi. Donc ici, deux éléments, donc c'est entre lesquels. D'accord? Alors, trois éléments donc à trouver. La première chose, eh bien, c'était un substantif, c'est pâtisserie. On a déjà vu ce mot plusieurs fois. Donc logiquement, vous savez l'écrire. Idéalement avec un accent circonflexe sur le A. Donc PA, accent circonflexe, TISSE. RIE. Je regarde. Globalement, c'est bien écrit quand même. Ensuite, merveilleux. Donc merveilleux, en général, vous l'écrivez bien. Attention à l'amas, vous étiez généreux en E et en X. Merveilleux. Alors, EUX à la fin, c'est pas la peine d'en mettre trop, même si c'est plus joli peut-être avec beaucoup de voyelles. Et puis, la dernière chose, c'était selon, et ça, vous l'avez bien écrit, SELON. Donc là, il n'y a pas de problème. On continue avec la dernière chose concernant la tête au chocolat. Elle est composée de demi-sphères de meringue collées par de la crème au beurre et au chocolat, puis des paillettes de chocolat. Elle est composée de demi-sphères de meringue collées par de la crème au beurre et au chocolat, puis des paillettes de chocolat. Allez-y. Thank you.
Alors, regardons ensemble les trois éléments. La première chose, eh bien, c'était composé. Encore une fois, on va mettre le féminin puisque, eh bien, vous avez elle. Elle est composée. Nous parlons de la pâtisserie. Ensuite, collé, eh bien, collé, puisque nous parlons de demi-sphère, c'est féminin pluriel. Vous allez mettre collé au féminin avec un E et au pluriel avec un S. C O L L E accent aigu E S. Et puis la dernière chose, eh bien, c'était un substantif. C'est une paillette, et ici on va le mettre au pluriel, des paillettes. Paillette, on écrit ça P-A-I-L-L pour obtenir le son y-y-y-y-y, paille, paillette, donc E-D-D-E-S. Allez, regardons ensemble les trois choses concernant la tête au chocolat. Je vous invite à lire avec moi. Souvenez-vous que quand on lit à voix haute, on se souvient beaucoup mieux des choses. Allez, première chose. Une tête au chocolat est une pâtisserie constituée de deux meringues entre lesquelles repose de la crème au beurre. Deuxième chose. Cette pâtisserie ancienne typique est aussi nommée merveilleux, boule choco, arlequin ou d'autres noms selon les régions. Troisième chose, elle est composée de demi-sphères de meringue collées par de la crème au beurre et au chocolat, puis des paillettes de chocolat. Allez, on y va, et puis c'est le verbe du jour. Et vous savez bien que le verbe du jour, c'est la possibilité de faire ensemble de la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un verbe qui est irrégulier, mais qu'on utilise assez facilement. C'est le verbe sortir. Et comme d'habitude, ah pardon. Avant d'expliquer le comme d'habitude. Alors oui, effectivement, le verbe sortir fait partie de ces quelques verbes en français qui peuvent être conjugués au temps composé avec être, l'auxiliaire être, ou avec l'auxiliaire avoir. Vous allez conjuguer avec l'auxiliaire avoir si il y a un COD. Nous, on va se concentrer pour cet exercice sur la forme avec être. D'accord? Et alors donc, nous allons aborder les trois modes, l'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Et nous commençons comme d'habitude avec le présent de l'indicatif et uniquement la première personne. Merci. Alors, vous avez déjà commencé à écrire les formes. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui continuent à envoyer des choses. Mais bon, effectivement, première personne du présent, c'est je sors. Sors. On ne prononce pas le S, mais on doit quand même l'écrire. Futur simple de l'indicatif, s'il vous plaît, toujours la première personne. Allez-y. Thank you.
Alors, vos formes sont déjà arrivées, effectivement. Donc, finalement, sortir n'est pas très très compliqué pour le futur simple ou pour le conditionnel présent. On va juste utiliser l'infinitif. Ce sera notre radical, notre racine. Et ensuite, nous allons juste ajouter les terminaisons. La terminaison pour je, futur simple, ai. Vous combinez je sortirai ai. Attention, Sidiali, je sortirai ais. On va voir plus tard, c'est le conditionnel présent. D'accord? Donc le futur simple, c'est vraiment ai. Allez, youpi youpi. Donc souvenez-vous de ce que j'ai expliqué. On va utiliser être pour tous les temps composés. Donc ici, premier temps composé, le passé composé. Première personne, s'il vous plaît. Alors, comme je vous avais dit, donc c'est le premier temps composé. Donc, on va utiliser l'auxiliaire. Je vous ai demandé d'utiliser l'auxiliaire être. Présent, je suis. Comme nous utilisons l'auxiliaire être, nous allons mettre à la fin de notre participe passé la marque du masculin si c'est nécessaire. Donc, je suis sorti. I pour un homme, je suis sorti. IE pour une femme. D'accord? Phonétiquement, c'est la même forme. Vous prononcez de la même façon, mais on l'écrit différemment. Imparfait de l'indicatif, s'il vous plaît, toujours la première personne. Alors ici c'est l'imparfait et l'imparfait en fait notre radical sera sort et puis après nous allons mettre les terminaisons. Je regarde ce que vous écrivez. Pour l'instant c'est bien effectivement donc sort plus la terminaison ais sortait. D'accord? Je sortais. Attention Daria vous avez mis sortirait et sortirait Daria c'est le conditionnel présent. Et c'est pas tout de suite. Allez, on continue si vous voulez bien avec le deuxième temps composé. C'est le plus que parfait et toujours la première personne. Alors, nous sommes d'accord que pour le plus que parfait, nous allons encore une fois utiliser être, mais nous mettons être à l'imparfait. J'étais, donc AIS, première personne, et puis on va utiliser notre participe passé sorti. La règle est la même que tout à l'heure pour le passé composé, c'est-à-dire que nous marquons le féminin si c'est nécessaire. J'étais sorti I pour un homme, j'étais sorti IE
pour une femme. Vous les prononcez toujours de la même façon. Allez, on continue avec le troisième temps composé, c'est le futur antérieur. Alors, effectivement, donc vos premières réponses commencent à arriver. Le futur antérieur, encore une fois, un temps composé. Donc nous allons utiliser être ici, que nous allons mettre au futur simple. Je serai, terminaison, ai. Ensuite, nous utilisons le participe passé, sorti, et comme nous utilisons être, nous mettons à la fin de notre participe passé le féminin si c'est nécessaire. Je serai sorti. Allez, pour terminer l'indicatif, le temps que vous détestez mais que vous commencez à aimer de plus en plus. Le passé simple. Alors je sais que quand on parle du passé simple, il y a toujours un petit peu moins de participation. Et c'est normal. Yossi est toujours, presque toujours le premier quand nous parlons du passé simple. La forme, c'est je sortis, donc IS. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire de bien maîtriser le passé simple pour l'utiliser. C'est toujours important de pouvoir l'identifier dans un texte ou dans un article. Et oui, effectivement, Cosmina Bellou qui nous a mis toutes les formes, je sortis, tu sortis, il, elle, on sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, il, elle, sortir. Très objectivement, les nous et vous ont presque, mais vraiment totalement disparu de la langue, puisque les formes nous sortîmes et vous sortîtes, ça sonne vraiment très 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 bizarre. En tout cas, voilà. Regardons le conditionnel présent. Et puis, c'est toujours la même forme. C'est je au conditionnel présent. Alors ici, le conditionnel présent. Donc c'est la même racine, le même concept de construction que pour le futur simple. Ça veut dire que nous allons utiliser l'infinitif sortir et nous allons juste ajouter la terminaison pour je. La terminaison pour je, c'est AIS. Je sortirai. Donc vous allez obtenir cette forme, je sortirai, AIS. Et ça, c'est le conditionnel présent. Allez, conditionnel passé, attention, c'est un temps composé.
Alors, regardons ensemble, hein, puisque je vous ai dit que c'est un temps composé, nous utilisons l'auxiliaire être au conditionnel présent. Je serai AIS. Et puis ensuite, on va utiliser notre participe passé sorti. Même règle, vous marquez le féminin si c'est nécessaire. Je serai sorti. Regardons ensuite les deux derniers, le subjonctif présent maintenant. Alors, voilà la forme, je regarde ce que vous avez écrit et c'est bien effectivement le subjonctif présent que je sorte. Et donc, terminaison e, puisque c'est la terminaison pour je. Hein. Il faut que je sorte. Et Cosmina Bellou, qui est très en forme, veut partager toutes les formes. Vous tapez vite, que je sorte, que tu sortes, qu'elle ou qu'on sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'il ou elle sorte. Très, très bien écrit. Merci beaucoup. Allez, le dernier temps, souvenez-vous, c'est le subjonctif passé, c'est un temps composé, encore une fois. Alors, donc c'est un temps composé, ça veut dire que nous allons utiliser être, comme nous l'avons fait depuis le début. Être doit être conjugué au subjonctif présent que je sois. Et ensuite, nous allons mettre le participe passé avec, comme d'habitude, ici, la marque du féminin si c'est nécessaire, puisque nous utilisons être. Que je sois sorti, I masculin, que je sois sorti, IE féminin, on prononce de la même façon. Bah écoutez, félicitations encore une fois. Et puis, non, ça s'est vraiment bien, bien passé, hein. Bravo, on va continuer toujours la torture quotidienne avec la conjugaison. Allez, pour se rafraîchir un petit peu les idées, c'est la photo du jour. Regardez cette photo et écrivez-moi une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Thank you.
Alors, Ran Yah nous dit, on observe un chemin très long. Oui, c'est vrai. On peut dire chemin, on peut dire route aussi. Alors, si vous dites route, votre adjectif devra être au féminin, longue. Alama qui nous dit le désert en Amérique peut-être. Sidiali qui nous dit c'est une route qui mène à des montagnes. Ice Cube qui nous dit je pense que c'est un désert avec la route quelque part aux États-Unis. Ravija, dans ce paysage, il n'y a personne sur la route, peut-être, dans un endroit d'horreur. Ne pas aller là-bas. Ravija ne veut pas aller là-bas. Ok. Yesero qui nous dit, c'est peut-être la route 66 aux États-Unis. Je vois un grand espace presque vide, sauf la montagne à l'arrière-plan. Très bien écrit, Yesero. Sundar qui nous dit, un chemin vers la montagne. Daria qui nous dit, je vois une longue route avec quelques montagnes qui pourraient représenter une vie facile, sans obstacles et difficultés. Daria, jusqu'à un certain point, parce que quand vous vous approchez, bien sûr, mais il y a les montagnes à la fin. Elsa, je vois un long trajet avec un paysage qui est juste magnifique. Attention, magnifique, c'est avec un G, Gni, Elsa. Un climat parfait pour conduire et s'amuser avec les amis. Bickert, je vois une autoroute, je pense qu'il y a une voiture et ils prennent cette photo naturellement. Il y a des montagnes qui sont loin, d'accord. Mouscan, il y a d'énormes rochers sur la photo et la route qui nous donne envie de partir en voyage avec cette vue magnifique et ensoleillée. Victoria Posse qui nous dit, c'est un paysage solitaire. Au fond, les montagnes, il n'y a pas d'arbres ni végétation. C'est un peu désertique, on pourrait mettre un adjectif. Upasana qui nous dit, je pense que le chemin ne finit jamais. La vue est très belle. J'en ai marre de rester chez moi maintenant. J'ai besoin de visiter un endroit comme ça. Upasana, un peu de patience, la situation va s'améliorer. Victoria Jacques qui nous dit une belle photo d'un long chemin qui se jette dans les montagnes, ou une belle photo de mon long voyage de compréhension vers la conjugaison des verbes. Oui, mais c'est un beau voyage. Il est long, mais il est beau. C'est ça qui est important. Ensuite, Yossi qui nous dit un chemin qui mène jusqu'au mur d'une ancienne ville. Ah, d'accord. Maria Betania qui nous dit c'est un beau monument de la nature, très apprécié par beaucoup de monde. Johnny qui nous dit une route sans fin, où vous pouvez sentir la créativité de Dieu. Cosmina nous dit je vois un tas de cailloux. Mais en dessous, je crois que nous pouvons découvrir une station extraterrestre ou une centrale nucléaire. Sapna qui nous dit un long trajet et il n'y a personne. Très bien. Ensuite, bah écoutez, c'est bon. Je crois que vous m'avez bien écrit toutes vos pensées. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Alors, c'est la rubrique que nous avons commencée hier, si ma mémoire est bonne. Bien sûr, je suis français, je dois vous transmettre l'amour de la langue française, mais également l'amour des fromages français. Et le fromage du jour, regardez, regardez, c'est un roquefort. Le roquefort, alors ça, c'est quand même un bel objet, comme on dit. Comme d'habitude, nous allons découvrir trois éléments sur le roquefort, et puis je vais vous lire ces choses et vous allez écrire les mots qui manquent. Première chose, le roquefort désigne un fromage français à pâte persillée, élaboré
exclusivement avec des laits crus de brebis. Le Roquefort désigne un fromage français à pâte persillée, élaboré exclusivement avec des laits crus de brebis. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, nous avions trois éléments. La première chose, c'est un verbe. C'est le verbe désigner qui est un verbe régulier, donc du premier groupe. Ici, on doit le conjuguer à la troisième personne, donc désigne, G-N-E. Idéalement, vous mettez un accent aigu sur le premier E, D-D-D. Ensuite, élaborer, adjectif. Ici, on doit mettre ça au masculin parce que c'est le roquefort qui est élaboré. Et puis la dernière chose, c'était lait. Si vous regardez juste avant lait, vous avez l'article qui est pluriel. Donc lait doit être au pluriel. D'accord ? On peut parler de différents types de lait de brebis. C'est pour ça qu'on utilise le pluriel ici. Allez, le deuxième élément, j'espère que vous êtes prêts. C'est un fromage très ancien, car le peuplement de la région date du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un fromage très ancien, car le peuplement de la région date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, Rania demandait c'est quoi élaborer. Rania, élaborer, c'est un petit peu comme fabriquer, construit, fait. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Regardons ici les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. Et l'adjectif, c'est ancien que l'on doit mettre au masculin parce que fromage, c'est masculin. Attention, ancien en français n'a pas de T à la fin. Donc A-N-C-I-E-N. Ensuite, c'était peuplement. Alors, peuplement, je regarde comment vous l'avez écrit. C'est assez bien écrit. Hein? P-E-U-P-L-E-M-E-N-T. Le peuplement, pas de pluriel ici. Hein? C'est vraiment le singulier, donc pas de S à la fin. Le dernier mot, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est le mot région. Région, idéalement, avec un accent aigu sur le E. R, E, accent aigu, G, I, O, N. Allez, nous continuons avec le troisième élément. On raconte que Jules César aurait beaucoup apprécié un bleu dégusté à Sainte-Afrique, à une quinzaine de kilomètres de Roquefort. On raconte que Jules César aurait beaucoup apprécié un bleu dégusté à Sainte-Afrique,
à une quinzaine de kilomètres de Roquefort. Alors ici, on a trois éléments à trouver, comme d'habitude. La première chose, ben, c'est un verbe. Le verbe, c'est raconter. Ici, vous voyez que la personne, c'est on. Souvenez-vous que la personne on, eh bien, c'est troisième personne du singulier, comme il et comme elle. Donc, raconte, terminaison, T-E. D'accord? Ensuite, c'était apprécier. Alors si vous regardez ici, c'est le participe passé parce que finalement on a aurait apprécié. C'est le conditionnel passé. On utilise le conditionnel passé quand on a une information ou un fait historique qui n'est pas totalement certain. Et donc, quand on n'a pas de certitude, on va utiliser le conditionnel passé. Donc ici, c'est le verbe apprécier au conditionnel passé. Donc, je voulais le participe passé apprécier, e accent aigu. D'accord? Si vous avez les accents, il y a les deux e qui sont accentués, accent aigu. Et puis la dernière chose, c'était quinzaine. Hein, souvenez-vous, une quinzaine, c'est approximativement 15. Donc quinzaine, on l'écrit Quinzaine. Allez, s'il vous plaît, lecture avec moi. Encore une fois, souvenez-vous, quand on lit à voix haute, on mémorise plus facilement les choses. Premier élément. Le Roquefort désigne un fromage français à pâte persillée élaboré exclusivement avec des laits crus de brebis. Deuxième chose. C'est un fromage très ancien car le peuplement de la région date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Troisième chose, on raconte que Jules César aurait beaucoup apprécié un bleu dégusté à Saint-Afrique à une quinzaine de kilomètres de Roquefort. Alors, la citation du jour, la voici, la voilà. Rien n'est permanent sauf le changement. Et c'est Héraclite d'Éphèse qui nous propose cette citation. Rien n'est permanent sauf le changement. Que pensez-vous de cette citation, une petite phrase pour me dire ce que vous en pensez. Thank you.
Alors, Luciana Morib qui nous dit c'est vrai. Très bien. Rania qui nous dit oui, c'est vrai, car c'est seulement le changement qu'on peut faire en permanence. Alama qui nous dit c'est absolument vrai. Rien n'est aussi plus sévère ou plus dur que le changement. Taqwa, il y a toujours le changement selon le temps. Mouskan qui nous dit le changement est la seule constante et nous devons l'accepter. Bickert, oui, mais je n'ai pas trouvé une phrase, c'est difficile. Pas de problème, Bickert. Pas de problème. Elsa qui nous dit c'est de la pure philosophie, je me trouve bloqué. Mais pourquoi? Le changement n'est pas permanent parce qu'il va changer. Elsa, il faut boire un verre d'eau, il faut se relaxer, la vie est belle. Yessero, c'était un homme très malin d'observer ce fait. Très bien. Upasana qui nous dit, cette citation nous dit que le temps change, qu'on doit avoir de la patience et faire du travail sans bruit. Victoria Jacques, c'est très vrai, tout à fait d'accord à 200%, pas 100%. Vous savez, Victoria Jacques, heureusement que j'habitais aux États-Unis et que maintenant, le 200% ne me choque plus. Avant, j'avais du mal. Sidi Ali qui nous dit, ça motive à s'améliorer en général, oui. Yossi qui nous dit, le changement nous accompagne toujours, rien ne pourrait rester constamment. Ou constant, vous voulez dire. Oui, ouais, je, personnellement, j'aurais mis un adverbe. Ravija, dans la vie, une chose qui est toujours permanente est le changement. Il faut important, c'est important qu'on accepte ça pour être content. Alors, Evan qui nous dit, toutes les choses changent constamment. C'est vrai. Daria, tout change et c'est vrai. C'est bien quand on se change soi-même pour le meilleur et non pour le pire, même s'il est bon d'avoir certaines valeurs malgré les tendances actuelles. Sundar, oui, c'est vrai, on change toujours selon le temps. Maria Bethania qui nous dit, à mon avis, cela signifie que le changement, c'est important pour tous et pour améliorer la vie. Victoria Posse, j'espère que le changement viendra bientôt et que le virus n'est pas permanent. Mais oui, Victoria Posse, les vaccins arrivent. Les vaccins arrivent. Youpi! Rajni, rien n'est permanent sauf ce qui est à l'intérieur de vous, vous voulez dire? Peut-être. Sapna qui nous dit oui, c'est vrai. Nous ne devrions pas dépendre de quelqu'un et de quelque chose car les choses changent. N'importe quand, peut-être. Ice Cubes, oui, mais le changement n'est permanent aussi, n'est pas permanent aussi, parce que la vie du changement change. La vitesse, je croyais que c'était la vie, la vitesse du changement change et dans notre époque, ça change très vite. Je suis d'accord avec vous. T'as quoi? Le Covid-19 n'est pas permanent, il est passé selon le temps. Oui, bien sûr. Cosmina Bellou, les scientifiques disent que nous sommes toujours les mêmes et pourtant différents, parce que les cellules du corps se renouvellent, mais nous sommes les mêmes personnes. Donc finalement, ça, Cosmina Bellou, vous remettez toutes les choses en perspective. Alors, la philosophie, c'est bien, mais la gastronomie, c'est pas mal. Alors, on a eu l'occasion de voir beaucoup de plats déjà, depuis qu'on a commencé les exercices live ensemble. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer aussi quelque chose qui est très traditionnel de la restauration rapide. Et souvent, si vous avez envie de manger quelque chose sur le pouce, comme on dit, c'est-à-dire si vous voulez manger rapidement, eh bien c'est possible de déguster un croque-monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez le croque-monsieur, mais c'est vraiment quelque chose de très très classique en France. Je vais vous le présenter, bien sûr, comme d'habitude, en trois points. Un croque-monsieur est un sandwich chaud
originaire de France, à base de pain de mie, de jambon blanc et de fromage. Un croque-monsieur est un sandwich chaud, originaire de France, à base de pain de mie, de jambon blanc et de fromage. Alors, les trois éléments à trouver, bah écoutez, le premier, c'est ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire, ou un anglicisme dans ce cas-là. Donc, c'est effectivement sandwich. Ensuite, c'est un adjectif qui est originaire, hein, originaire, A-I-R-E, à la fin. Je regarde vos réponses, donc c'est bien écrit, vous l'écrivez bien. Et puis l'autre mot, c'est un substantif et c'est le jambon. Donc, je vous donne juste hein, le genre, hein, c'est masculin, donc pas d'article hein, ici, juste jambon, JAMBON. Allez, continuons avec la deuxième chose concernant le croque-monsieur. Il peut être grillé à la poêle, au four ou dans un appareil spécialisé. Il peut être grillé à la poêle, au four ou dans un appareil spécialisé. Alors, trois éléments. Regardez le premier, c'était bien grillé. Donc, nous sommes d'accord avec un bel accent aigu, si vous pouvez, sur votre E final. Et donc, surtout pas de féminin ici, c'est le masculin puisque c'est il. Ensuite, on cherchait un substantif et c'est four, hein, c'est masculin. Un four, donc four, on l'écrit F-O-U-R. Et puis la dernière chose, encore un substantif, et c'était appareil. Attention, appareil 2P. A-P-P-A-R-E-I-L. Un appareil. Allez, regardons la suite avec le troisième élément. On dit qu'il serait apparu pour la première fois en 1910, au menu d'un café parisien, boulevard des Capucines. On dit qu'il serait apparu pour la première fois en 1910, au menu d'un café parisien, boulevard des Capucines. Thank you.
la première chose, eh bien, c'est apparu, et c'est la même chose ici, hein, nous mettons le masculin, c'est-à-dire la forme basique, A-P-P-A-R-U, tout simplement parce que c'est le masculin, il serait. Nous continuons avec une année, je regarde, et vous avez bien écrit, donc c'était, attention Divya Bajaj, c'était 1910, d'accord? Vous avez écrit 1920, mais c'était 1910. Et puis le dernier, normalement, c'est pas difficile, c'est boulevard, Sapna, attention, boulevard, B-O-U-L-E-V-A-R-D. Je regarde les autres, I just called, vous avez oublié le E pour boulevard. Les autres, je crois que c'était assez bien, effectivement. Allez, si vous voulez, on va lire ensemble, s'il vous plaît, lisez à voix haute. Et souvenez-vous, le conseil du jour, quand on lit à voix haute, eh bien, on mémorise plus facilement les choses. Première chose. Un croque-monsieur est un sandwich chaud, originaire de France, à base de pain de mie, de jambon blanc et de fromage. Deuxième chose. Il peut être grillé à la poêle, au four ou dans un appareil spécialisé. Troisième chose. On dit qu'il serait apparu pour la première fois en 1910 au menu d'un café parisien, boulevard des Capucines. Et voilà, c'est la fin de notre cours pour aujourd'hui, tout simplement parce que mon fils a besoin de manger et je vais lui faire justement un croque-monsieur. Croque-monsieur avec ma petite touche personnelle comme fromage. Je choisis du fromage à raclette. Pain de mie, jambon blanc et fromage à raclette, c'est ma recette. En tout cas, merci beaucoup, c'était très très sympathique. Je vous dis à demain, si vous êtes disponible, si vous avez envie. C'est toujours à la même heure, 4 heures de Paris. Merci beaucoup et au revoir.